Bonjour, chers élèves. Je suis Madame Mukundi, professeure de français. Dans le cadre de la continuité pédagogique, nous allons étudier ce matin une leçon d'orthographe. Notre leçon d'orthographe a pour titre l'accord des noms composés. Soyez donc attentifs, car à la fin de cette leçon, chacun devra être capable d'accorder correctement un nom composé au pluriel. Je vais donc porter le titre de notre leçon au tableau. L'accord de noms composés. L'accord des noms composés. L'accord des noms composés. Bien. Un mot peut avoir diverses natures. Un mot peut être un verbe, un nom, un adverbe ou une préposition. Alors, en combien de grands groupes classe-t-on les noms en français? Les mots en français sont classés en deux groupes. Nous avons les mots variables qui peuvent changer d'orthographe lorsqu'on les utilise dans différentes situations. Et il y a les mots invariables qui ne changent jamais lorsqu'on les utilise. Comme mot variable, nous pouvons citer un exemple, un adjectif au masculin, il a une orthographe et au féminin, il a une autre orthographe. Alors, pour que nous puissions étudier les noms composés, l'accord des noms composés, je vais mettre notre texte d'appui au tableau. Notre texte support. Texte support à partir duquel nous allons étudier les noms composés. Nos grands-parents nos grands-pères vivaient nos grands-pères vivaient Nos grands-pères vivaient sans gratte-ciel virgule ni rez-de-chaussée.
ni rez-de-chaussée. Point. Ils observaient les arcs-en-ciel loin des extraterrestres. Loin des extraterrestres, on va écrire extraterrestres ici, en entièreté. Voilà notre texte. Support. Nos grands-pères vivaient sans gratte-ciel ni rez-de-chaussée. Ils observaient les arcs-en-ciel loin des extraterrestres. Alors, dans notre texte ici, nous allons souligner quelques mots. Nous soulignons donc grand-père. Nous soulignons gratte-ciel, nous soulignons rez-de-chaussée, arc-en-ciel et extraterrestre. En observant ces mots, qu'est-ce qu'on constate? La plupart d'entre ces mots sont reliés par des traits d'une. Nous avons le premier nom ici, grand-père. Grand-père est un nom qui est composé de deux mots. D'un adjectif grand et d'un nom père. Le deuxième nom, c'est donc gratte-ciel. Gratte-ciel. Gratte-ciel est composé aussi de deux mots. Quelle est la nature de ces mots? Gratte, ici c'est un verbe, et ciel, c'est un nom. Rez-de-chaussée, c'est aussi un nom qui est composé de trois mots. Et la nature de ces mots, c'est ré, nom, de, préposition, et chaussée, qui est aussi un nom. Tous ces mots qui composent des noms entiers sont reliés par des traits du nom. Comment donc on peut appeler des noms qui sont constitués de deux ou plusieurs mots reliés par des traits du nom? Nous les appelons des noms composés. Pourquoi? Parce qu'ils sont composés de deux ou plusieurs mots. Venons-en à extraterrestre. Extraterrestre est aussi un nom composé. Mais vous voyez que extraterrestre n'a pas de trait du nom, bien qu'il soit un nom composé. Alors, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que parmi les noms composés, nous avons des noms composés qui sont en un seul mot, et il y a des noms composés qui sont constitués de deux mots tels que grand-père ou de trois mots tels que rez-de-chaussée ou arc-en-ciel. Alors, puisque nous parlons de l'accord des noms composés, qu'est-ce que ça veut dire donc l'accord des noms composés? Nous voulons donc voir comment on peut accorder un nom composé lorsqu'il s'agit d'un pluriel. Pour cela, nous allons repartir à notre texte et nous prendrons l'exemple de ces deux noms. Nous avons arc-en-ciel
arc-en-ciel. Remarquez arc-en-ciel ici, qui est un nom composé d'un nom, d'une préposition et d'un autre nom. Comment est-ce qu'il est accordé? Puisqu'il est ici au pluriel, avec la marque les, comment est-ce que arc-en-ciel est accordé? Il n'y a que le premier mot qui reçoit la marque du pluriel. Le premier mot, c'est donc arc. La préposition est toujours invariable. Elle ne reçoit pas de marque de pluriel. Et ciel aussi. Parce que ce sont plusieurs arcs qu'on observe dans un seul ciel. Donc, on accorde seulement le premier mot. Ensuite, nous avons extraterrestre. Extraterrestre. Extraterrestre, c'est un nom composé aussi. Mais ici, il n'a pas de trait d'union. Et lui, donc, comment il s'accorde au pluriel? Il s'accorde comme tous les autres noms que nous connaissons. Bien. Est-ce que il y a d'autres noms qui sont composés d'autres constituants? C'est-à-dire, en dehors de nom, préposition, nom, ou bien un nom entier, ou adjectif plus nom. Nous avons aussi d'autres noms composés qui peuvent être constitués d'un verbe qui s'ajoute à un autre verbe. Un verbe plus un verbe qui donne un nom composé. Par exemple, un laissez-passer. Un laissez-passer. Un laissez-passer, c'est un nom composé qui est constitué de deux verbes. Un verbe plus un autre verbe. Comment est-ce qu'on l'accorde au pluriel? Eh bien, laisser passer au pluriel ne prend pas de S. Donc, un nom composé de deux verbes reste invariable au pluriel. On dira donc des laisser passer. Des laisser passer. Entre-temps, quelle est l'autre constitution qu'on peut avoir, quelle est l'autre constitution de mots qu'on peut citer ici? Il y a, par exemple, un adjectif, plus un adjectif encore. Un adjectif qui s'associe à un adjectif. Qui s'associe à un adjectif pour donner un mot composé. Par exemple, un sourd-muet. Un sourd-muet. Comment est-ce qu'on va accorder sourd-muet au pluriel? Eh bien, chaque entité va recevoir la marque du pluriel. On dira donc des sourds-muets. Des sourds-muets. Voilà donc quelques cas d'accord
des noms composés au pluriel. Il n'y en a pas que ceux-ci. Les cas d'accord des noms composés au pluriel sont nombreux. Mais nous allons prendre quelques-uns à cause du temps qui nous est imparti. Alors, qu'est-ce que donc un nom composé? Un nom composé, c'est un nom qui est constitué de deux ou de plusieurs autres mots qui sont souvent reliés par un trait d'union. Bien, quels sont les éléments? Quels sont les éléments qui peuvent constituer un nom composé? Un nom composé peut être constitué d'un nom associé à une préposition et un nom. Ils peuvent aussi être constitués d'un verbe qui s'associe à un autre verbe. Ils peuvent aussi être composés par un adjectif qui s'associe à un autre adjectif et ainsi de suite. Alors, comment s'accordent les noms composés au pluriel? Les noms composés au pluriel s'accordent différemment selon les cas. Nous avons cité ici le cas de arc-en-ciel où la marque plurielle n'est que au premier mot. Nous avons un nom composé qui est entier, qui est en un seul mot, qui s'accorde comme tous les autres noms. Nous avons le nom composé qui est constitué d'un verbe qui s'associe à un autre verbe. Nous avons aussi un nom composé qui est constitué d'un adjectif qui s'associe à un autre adjectif. Bien, voilà donc. Nous allons noter, vous allez prendre note. Au grand 1 de notre leçon, nous allons voir la définition du mot composé, du nom composé. Définition. De façon ici, pour écrire notre leçon du jour. Définition. Définition. Qu'est-ce qu'un nom composé? Un nom composé est un nom qui est composé de deux mots ou plus, donc on peut avoir deux ou trois mots, ou plus. Ces mots qui sont généralement, généralement
reliés par un trait d'union. Un trait d'union forme forme un nouveau mot avec un nouveau sens. Ça veut donc dire qu'un nom composé est constitué des mots à part entière qui sont d'abord des mots qui ont leur sens individuellement, mais qui s'associent ici pour former un nouveau mot avec un nouveau sens. Exemple. Exemple, nous avons sans foi, pris séparément, foi veut dire quelque chose, sans aussi veut dire autre chose. Nous pouvons dire aussi amour propre. Voilà la définition d'un mot composé. L'accord des noms composés fait l'objet des particularités. Alors, on dira ainsi. Ainsi, on accorde. Les noms composés suivant des cas distincts. Au grand dedans, nous allons voir comment accorder les noms composés au pluriel. Grand 2. Comment accorder les noms composés au pluriel. Comment accorder les noms composés au pluriel? Thank you.
42. Comment accorder les noms composés au pluriel? Un peu plus haut, nous avons vu qu'il y avait deux types de noms composés. Il y avait les noms composés qui sont en un seul mot et il y en a qui sont en deux ou plusieurs mots reliés par des traits d'union. Donc, dans notre sous-titre, nous allons commencer par les noms composés en un seul mot. Donc, nous aurons donc grande. Hein? Les noms composés en un seul mot. En un seul mot. Grande 1, les noms composés en un seul mot. Les noms composés en un seul mot. Ça veut donc dire les noms qui sont composés, mais non pas deux éléments reliés par un trait d'union. À la ligne donc, certains noms composés s'écrivent sans trait d'union. S'écrivent sans trait d'union. Exemple. Exemple. Le contre-pied. Au pluriel, on écrira les contre-pieds. Donc, certains noms composés s'écrivent sans trait d'union. Ces noms-là s'accordent comme tous les autres noms qui ne sont pas composés. Exemple, le contre-pied, les contre-pieds. Ils s'accordent comme tous les autres noms contre-pied. Nous avons extraterrestre, nous avons ici. Ils s'accordent comme tous les autres noms qui ne sont pas
composé. Alors, au grand 2, 2, nous allons voir les autres noms composés. Grand 2, 2, les autres noms composés. Les autres noms composés. Par les autres noms composés, nous entendons des noms composés qui ont deux mots ou plus. Bien, on va effacer au milieu ici pour continuer à écrire nos sous-titres. Grand du 2, nous allons étudier les autres noms composés, c'est-à-dire ceux qui s'écrivent en plusieurs mots. Grand 2, 2, les autres noms composés. Les autres noms composés. En règle générale, en règle générale, les noms composés de plusieurs, de deux ou plusieurs mots, en règle générale, dans les noms composés, de deux ou plusieurs mots, seuls les verbes, seuls les adjectifs plutôt, seuls les adjectifs et les noms peuvent prendre la marque plurielle. Peuvent prendre la marque plurielle. C'est-à-dire, lorsqu'un nom composé est constitué de plusieurs mots, il faut accorder seulement les adjectifs et les noms, et pas les prépositions et les adverbes qui sont des mots invariables, qui ne changent pas. Alors, nous allons donc avoir quelques cas comme exemple. Premier cas, cas d'un nom composé d'un adjectif plus un nom. Cas d'un nom composé
un adjectif plus un nom. Nous avons par exemple sage femme. Une sage femme. Au pluriel, on dira des sages femmes. Des sages femmes. On dira des sages femmes. Ici, sage femme est constituée d'un adjectif sage et du nom femme. Donc, au pluriel, on accorde. On dira donc des sages femmes. Ça, c'était le premier cas. Deuxième cas. Cas d'un nom composé. Cas d'un nom composé. Composé. D'un nom. Plus une préposition plus un nom. Comment il va s'accorder? Nous allons prendre un exemple. Un nid de poule. Un nid de préposition et poule un nom. Dans ce cas-ci, c'est le premier mot qui prend la marque plurielle. Donc, au pluriel, on dira des nids de reste invariable et poule reste invariable. Le deuxième cas, nous avons cet exemple-ci. Il y a un troisième cas. Cas numéro 3. Troisième cas donc. Nous avons un nom composé. Cas d'un nom composé. D'un verbe qui s'associe à un autre verbe. Un nom composé d'un verbe qui s'associe à un autre verbe. Pour donner un nouveau mot, nous avons par exemple le laisser aller. Au pluriel, on dira toujours les laisser aller. Les laisser aller. Voilà les trois cas que nous avons proposé de voir aujourd'hui avec vous. Le premier cas, c'est donc un nom composé d'un adjectif et d'un nom. Ils s'accordent, tous les deux s'accordent, l'adjectif. Prends la marque pluriel et le nom aussi. Deuxième cas, nous avons un nom plus une préposition et un autre nom, nid de poule. Nous n'accordons que le premier mot. Nous n'accordons que le premier mot ici qui est nid. Et
deux prépositions invariables, épouse ne s'accorde pas. Le troisième cas, c'est le cas d'un nom composé d'un verbe qui s'associe à un autre verbe. Nous avons laissé aller. Et les laisser aller, les verbes ne sont pas accordés. Ils ne prennent pas la marque plurielle. Bien. En dehors de cela, nous avons quelques cas particuliers. Une remarque donc que nous allons voir. Remarque. Une remarque. Mettons remarque au pluriel parce qu'il y en a plusieurs. Donc, remarque. Première remarque. Quand le premier mot du nom composé se termine par O, il reste invariable. Ce mot reste invariable. Il ne change pas. Il reste invariable. Exemple. Exemple. Un appareil électroménager. Électroménager. Au pluriel, nous dirons des appareils électroménager. Dans ce cas-ci, c'est le deuxième mot qui reçoit la marque plurielle. Deuxième remarque. Deuxième remarque. L'adjectif grand. L'adjectif grand. Peut s'écrire adjectif grand peut s'écrire adjectif grand peut s'écrire avec ou sans S, qui est la marque plurielle, donc grand-mère, ou grand-mère.
Mais ne prends pas, la marque du féminin. Donc, on ne peut pas dire grande mère. On écrit grand-mère ou grand-mère. Pardon, grand-mère. Grand-mère. Alors, le troisième point de notre remarque, c'est les mots composés qui contiennent le mot demi. Les mots composés, les noms composés, de demi. Demi plus un autre mot. On accorde les noms composés de demi plus un autre mot. On accorde que le deuxième mot demi reste invariable. Exemple. Exemple. Une demi-journée. Des demi-journées. Des demi-journées. Un demi-pain. Des demi-pains. Demi ne prend pas la marque plurielle lorsqu'il précède un autre mot. La marque plurielle est mise au deuxième mot. Voilà donc pour aujourd'hui les quelques cas d'accord de mots, de noms composés que nous avons voulu proposer pour la leçon d'aujourd'hui. Mais je répète qu'il y a plusieurs cas d'accord de noms composés. Pour la leçon, nous avons choisi les cas que vous avez ici au tableau. Alors, avant de nous séparer, je vais vous proposer donc un exercice que vous allez devoir faire à la maison, à partir de cette leçon. L'exercice est ici. Accorde correctement les noms composés contenus dans les phrases suivantes. Pendant les demi-finales, vous accordez les noms composés qui sont entre parenthèses. Pendant les demi-finales, les joueurs avaient des cache-nez. Les cerfs-volants volent au-dessus des gratte-ciels. La pandémie a gâché les gagne-pains de plusieurs. Voilà, nous voici donc arrivés au terme de notre leçon d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre aimable attention.
et à nous revoir à la prochaine séance.